pas encore totalement terminée, la voie verte reliant Neufchâteau à Coussay est déjà empruntée. 4,5 km de voies dédiées uniquement aux vélos, rollers, trottinettes et piétons. Un projet à l'étude depuis 2011 qui devrait être terminé d'ici quelques jours. Sur ce parcours, longeant de près ou de loin la route départementale 164, se trouvaient il y a quelques mois encore des rails, comme sur ces images, une voie ferrée qui reliait les deux communes. C'est important pour le territoire. C'est un projet que nous avons souhaité travailler il y a maintenant quelques années. Nous avons eu quelques difficultés à pouvoir maîtriser le foncier avec la SNCF. Elle fait au total 6 km depuis la gare de Neufchâteau, puisque nous avons réalisé des aménagements entre le point de départ qui est la gare pour arriver jusqu'à cette voie dédiée. Et ensuite, nous la poursuivons jusqu'au cœur de Coussay. Près de 912 000 euros subventionnés à hauteur de 80% et plusieurs mois de travaux ont été nécessaires pour voir le projet aboutir. Du mobilier urbain, bancs, tables de pique-nique notamment, sera encore installé le long de la voie verte. Le volet environnemental aura également une place d'importance et pour cause. Pendant le chantier, on a dû interrompre certains aménagements du fait d'une espèce protégée qui est le lézard des murailles. On a dû garder son habitat et garder le ballast qui est son espace d'hibernation. Et maintenant, pendant 10 ans, il va y avoir un suivi écologique par un écologue également pour voir quels ont été les impacts des travaux sur le lézard des murailles, mais aussi d'autres espèces qu'on a sur la voie. Idéalement placée sur l'itinéraire international Eurovélo 19, la Meuse à vélo, près de 1000 km reliant Rotterdam à Langres, 3200 cyclistes ont déjà été comptabilisés depuis le 1er décembre sur cette portion vosgienne, et ce, malgré une météo pas très favorable. Cette portion dédiée, elle va bien sûr profiter aux cyclotouristes puisqu'on a une grosse augmentation de l'activité des cyclotouristes sur le territoire avec un nombre de nuitées dans nos campings qui augmente de manière significative. Et puis elle va surtout profiter également aux habitants du territoire qui se sont déjà appropriés l'outil. Pour compléter l'offre, des œuvres d'art seront visibles le long du parcours. La voie verte, déjà accessible donc, sera inaugurée à l'occasion de la fête du vélo le week-end des 3 et 4 juin prochains.